Automne 2011. Des musiciens et des chanteurs venus de toute l'Amérique latine, mais aussi de France, se retrouvent au Paraguay pour célébrer en fanfare une aventure extraordinaire. Celle de l'association Les Chemins du Baroque. Née il y a 25 ans, Les Chemins du Baroque ont entrepris de faire revivre tout un pan oublié de l'histoire de la musique, celui du répertoire baroque de l'Amérique latine. Au bout du chemin, une aventure musicale unique dont la dimension humaine s'est révélée primordiale. Celle de la rencontre de l'autre et du partage. Entre Europe et Amérique latine, entre professionnels et amateurs, musiciens renommés et jeunes talents de tous les horizons. Aujourd'hui, une page se tourne. Les Chemins du Baroque ont achevé leur travail sur le continent latino-américain. Pour marquer l'événement, un concert exceptionnel va être donné dans les lieux mêmes où tout a commencé. Les missions jésuites du Paraguay. Bientôt, les musiques retrouvées résonneront dans les ruines légendaires de Trinidad et de Ressus. Ce qui m'a attiré en Amérique du Sud et en Amérique latine en général, beaucoup plus que sur d'autres continents, ce sont des rencontres, ce sont des visions de livres d'art où on voyait des buffets d'orgue absolument extraordinaires, fracassés, avec tous les tuyaux qui manquaient. Et on se disait, mais tous ces lieux fantastiques qui sont tellement proches de ce que nous avons de plus beau chez nous, quelle musique les faisait vivre à l'époque ? Il faut quand même aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qu'on peut encore retrouver? Il y a 25 ans, il faut se remettre dans le contexte. Tous ces pays sortaient, plus ou moins, le Paraguay n'était pas encore sorti du reste, de périodes de dictature et encore d'instabilité politique. Ça veut dire que leur patrimoine musical n'était vraiment pas leur priorité. Après cela, avant de dire que nous apportions quoi que ce soit, il a fallu faire l'inventaire de ce qui avait été fait. Et d'autre part, pour ces musiques, pour les faire vivre, il fallait des orchestres, il fallait des chœurs, il fallait respecter un certain nombre d'esthétiques, de savoir-faire, qui n'existaient plus,
qui avait été complètement perdu. Donc, ce qu'il fallait beaucoup plus que se dire on a découvert à la place des gens, non, non, on n'a rien découvert, c'est mettre les gens déjà en réseau, partager leurs recherches à l'échelle d'un continent et surtout leur donner les moyens sonores pour qu'ils fassent vivre ces musiques avec toute leur splendeur. Et c'est là qu'arrive un Gabriel Garrido, parce qu'il est la passerelle idéale entre les deux cultures. Je suis Gabriel Garrido, argentin, chef d'orchestre de musique baroque. Je fais depuis 20 ans un travail de recherche sur cette musique et de diffusion par la suite, et qui a commencé dans les missions de Bolivie, et là où on a retrouvé des manuscrits de cette musique extraordinaire. El resto de los músicos, por favor. Tout un trésor de musique jusque-là inconnu. Et avec les chemins du baroque, on a fait une vingtaine d'enregistrements qui parlent de cette histoire de musique baroque latino-américaine. Nous sommes à Jesús, mission jésuite du Paraguay. C'est un lieu aussi qui fait une résonance avec ce que je fais depuis 20 ans. Et j'étais amené dans les missions jésuites en premier lieu avec un groupe de musicologues argentins. Et là, on a découvert un monde extraordinaire. Pour moi, le baroque, c'était Bach, Telemann, Vivaldi. Et voilà, on savait qu'il y avait du baroque ici, mais on considérait une espèce de musique mineure. Et quand je fais ce voyage de recherche, et là, c'était tout un monde qui s'ouvrait à moi. Donc, il s'agit des musiques sacrées. Mais la particularité du baroque latino-américain, c'est que la musique sacrée et la musique populaire sont fusionnelles, elles sont intimement liées. J'ai dit fusion parce que c'est plus que lié. En fait, l'intérieur et l'extérieur de l'église étaient absolument perméables et on rentrait et on sortait d'elle, comme encore aujourd'hui. Si nous sommes au Paraguay, c'est en quelque sorte un hommage aux jésuites. C'était une très grande découverte des chemins du baroque. On se rend compte qu'il y a un ordre religieux qui a été militant pour et par la musique et qui a été d'une efficacité extraordinaire, beaucoup plus que les autres. Ce sont les jésuites.
Les jésuites arrivent ici à la fin du XVIe siècle, d'abord au Brésil, et puis ils envahissent progressivement tout le continent, et ils obtiennent du Vatican, comme de la couronne espagnole, le droit de s'isoler avec les Indiens, à la fois pour les évangéliser, bien sûr, mais en même temps pour les protéger des incursions des chasseurs d'esclaves, qu'on appelait les paulistas, qui venaient de la partie brésilienne, ou qui venaient de l'actuelle Bolivie pour emmener les Indiens en esclavage sur les mines du Cerro Rico. Et donc il y a tout un espèce de cordon sanitaire de village qui va s'établir. Les missions jésuites allaient dans l'endroit où était l'Indien, et surtout des endroits reculés, et où il y avait peu de civilisations sédentaires, comme c'était le cas du Mexique avec les Aztèques, le Pérou avec los Incas. Donc les jésuites sont venus dans ces régions, et il y a eu une découverte majeure dans cette réduction, ce qu'ils ont inventé, c'est-à-dire réunir les Indiens dans, on peut dire, des petits villages et autour des églises comme celle-ci, et ils faisaient une communauté extraordinaire où tout était partagé, et selon aussi la façon de vivre de ces mêmes Indiens. Les jésuites ont été les premiers à avoir traduit la Bible en guarani, la langue des Indiens d'ici. Aujourd'hui, on se rend compte que tous les pays qui ont une forte proportion indigène et où on parle encore les langues de l'époque qui ont été mises de l'oral à l'écrit par les jésuites, eh bien, sont tous les pays, c'est tout le cordon qui a été fait par eux et par les missions jésuites. Tous les villages, toutes ces réductions jésuites avaient des orgues, des chœurs, des orchestres et maintenaient des traditions. Donc ils ont fait un travail pédagogique extraordinaire. Ils ont appris à la fois à utiliser la rhétorique baroque et à la simplifier pour la mettre à portée des Indiens qui ne savaient rien de tout ça. Eux qui étaient des Indiens de la forêt, ils ont été immédiatement très habiles dans l'apprentissage de la musique et de tous les arts, l'architecture et tout ce qu'on voit. Et petit à petit, les Indiens sont devenus eux-mêmes des maîtres de chapelle et ont composé des œuvres. Et on peut penser que toutes ces milliers de pages de musique qui sont retrouvées aujourd'hui ont principalement été faites par les Indiens, composées par les Indiens, avec des apports de musique italienne énormément, puisque beaucoup de jésuites venaient d'Italie, mais que les Indiens sont les auteurs de l'essentiel de ce patrimoine musical.
bala por más victoria, la bala por más victoria. Dicen que quedó inmóvil, como si fuera una roca, haciendo piernas al tiro, aún estando la una rota. Aún estando la una rota. Les musiciens et les chanteurs que nous voyons pour ce concert sont issus de plusieurs milieux musicaux différents. On a d'abord les musiciens de Gabriel Garrido, qui sont des musiciens de son ensemble Elima, qui sont là, qui sont des musiciens professionnels et qui tournent avec lui. Ensuite, on a des musiciens lorrains, puisqu'il y a des ateliers qui ont été mis en place pour former des musiciens dans le même esprit que celui qu'on fait ici en Amérique latine. Stop, vous arrêtez sur le ré, et c'est que donne le ré. Fa do ré. Et puis il y a aussi un chœur d'enfants, de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, qui vient de Forbach, et qui est aussi un projet extraordinaire. Et puis il y a aussi des musiciens paraguayens qui font partie du groupe Paraguay Barroco, qui eux, évidemment, vivent au Paraguay, sont issus d'une formation qu'on leur a donnée avec les chemins du baroque et un projet qui s'appelle le Conservatoire itinérant. Je m'appelle Alexandre Chauffeau, je suis musicien franco-paraguayen et je dirige l'ensemble Paraguay Barroco.
Les musiciens ne sont pas tous uniquement violonistes ou violoncellistes. Tout le monde joue plusieurs instruments. C'est justement Anatud Paraguay Barroco qui, plus qu'un ensemble de musiciens baroques professionnels, à mes yeux, c'est un ensemble de musiciens populaires. On a beaucoup de musiciens qui font du rock, de la bossa nova, de la musique populaire paraguayenne, folklorique. Ça facilite beaucoup de choses, plein d'approches, de raisonnements que n'aurait pas forcément un musicien formé au conservatoire dans les strictes normes baroques, disons. Et pour le répertoire qu'on fait, le répertoire baroque latino-américain, c'est ce qu'il faut. Le drame des jésuites dans toute cette histoire, c'est peut-être d'avoir été les premiers à arrêter de considérer les Indiens ou les populations locales en général comme des sauvages. Et quelquefois, à aller très loin, même dans la rencontre avec leurs rites. De plus, les Indiens ne rapportent rien à la couronne espagnole. Dans les réductions, il y a une organisation sociale et une répartition des biens qui profitent à la collectivité, qui profite également à l'œuvre des jésuites, ce qui explique les richesses des églises et aussi des moyens musicaux et des constructions. Mais ce sont des parasites pour les couronnes. Conséquence de quoi, le Vatican finit par accepter l'expulsion des jésuites à la fin du XVIIIe siècle. Les jésuites ont dû affronter de façon permanente des cabales, des pamphlets. Comment les jésuites vont réagir contre, comme cela? Ils vont réagir par des pamphlets inverses. L'opéra San Ignacio, c'était un miroir des jésuites. C'était pour qu'ils racontent leur propre histoire. Nous sommes en présence d'œuvres de propagande pour réagir justement à tout ce travail de cabale et de pamphlets qui avaient libre cours en Europe à la même époque. San Ignacio, c'est un peu le thème de toute la musique que nous avons réunie dans cet événement. En fait, San Ignacio, qui était d'abord un soldat, il a fait sa conversion et il fonde la Compagnie de Jésus, les jésuites, un ordre qui va combattre le mal, sa principale mission. Et donc, ici, dans l'opéra, on montre ça. Opéra, entre guillemets, c'est un drame sacré, en fait, qui est symbole aussi du travail des jésuites. Les jésuites donnaient une importance particulière aux représentations théâtrales. Montrer le mal plutôt que l'éviter et imaginer. Montrer les choses pour qu'on soit, on les appréhende mieux.
Par exemple, ici, on met en scène le diable, ou alors un démon qui vient semer la zizanie et influencer San Ignacio. Ça, c'est l'opéra, et, qui est un petit bijou retrouvé presque par hasard. Thank you.
En guerra, en guerra.
Thank you.
Thank you.
Le compositeur emblématique de toutes ces missions, c'est Domenico Zippoli, qui était un Italien et qui s'est fait jésuite. On ne sait pas trop pourquoi, il était promis à une belle carrière à Rome. Peut-être une déception amoureuse très forte. Et Zippoli est devenu une icône pour les Indiens. Et il y a de la musique de Zippoli retrouvée, comme je vous ai dit, dans ses recherches de ces années-là. Et là, la musique de Zippoli, on a vu qu'elle était étendue dans toutes les missions. Celle qu'il avait composée lui, naturellement, et celle aussi qu'il n'a pas composée lui, mais que les Indiens trouvaient belle. Alors, quand ils trouvaient une musique très belle, ils mettaient Zippoli. Même si maintenant, on fait un travail stylistique, on se rend compte que tout ne peut pas être de Zippoli. Mais la musique italienne était la principale musique dans l'émission. Le métissage étant le symbole du baroque, je trouve que cette fin de chemin du baroque est baroque elle-même. Et cette extraordinaire aventure de chemin du baroque se termine avec ce chœur d'enfant de Forbach. Tempo chauffe. 1, 2. Tempo Garrido avec 10 cafés. 1, 2. Je crois qu'il a fait assez vite. Et je suis très satisfait du résultat. Le résultat est formidable. Et les enfants de Forbach, a priori loin de Guaranis, eh ben, ils sont, on les voit tous émerveillés. On voit les yeux ouverts avec un sourire aux lèvres comme le petit Paraguayen de 14 ans. Je pense que cette terre magique les a tous réunis et c'est la meilleure façon de conclure. Pour moi aussi, il y a un chemin qui est... Il y a une page qui se tourne et en même temps, on peut dire, mais il y a encore temps à faire. Et c'est sans doute avec grande joie que je retournerai travailler sur ces terres. Thank you.
potens, Deus pater omnipotens, Deus pater omnipotens, Deus pater pater omnipotens. Domine fili.
Deus altíssimos, és o Cristo.
Le travail des chemins du baroque trouve une fin cette année, sauf qu'on a planté beaucoup de graines, ce qui fait que moi je pense que ce n'est pas une fin, c'est plutôt un départ de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que oui, il y a la fin de l'aventure les chemins du baroque, mais quand on regarde dans chaque pays, avec tout ce qui s'est passé, je sais qu'on a planté quelque chose qui fait qu'avec ou sans nous, de toute manière, ça va continuer. Quand nous avons commencé à travailler dans ce Paraguay, une chose s'imposait à partir de ce moment-là. C'est que tout se termine un jour, on ne sait pas encore vraiment lequel. Ici, dans ces ruines, où tout était né, ça s'imposait. Il fallait que les choses reprennent leur place et que d'un seul coup, au moins dans notre esprit, les ruines puissent retrouver toute leur parure sonore et voilà, qu'elles redeviennent ce qu'elles ont été un jour.